Gérard Vivès vit des moments difficiles. L'acteur a expliqué ce 13 juin sur Instagram que sa maison avait subi beaucoup de dégâts à cause des intempéries qui ont touché la France. Les orages violents qui se sont abattus sur la France le week-end dernier n'ont pas épargné les célébrités, et parmi elles, l'acteur Gérard Vivès. Propriétaire du domaine de la Vernée, un petit château dans la Nièvre, le comédien a partagé sur son compte Instagram ce 13 juin des photos et vidéos impressionnantes des dégâts causés par les intempéries, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de sa demeure. Le ciel nous est tombé sur la tête. 12 juin 2023, 16h38 mine, se lamente Gérard Vivès en légende de sa publication Instagram. Les images montrent des toitures transformées en cascades, des plafonds endommagés et trempés d'eau, des arbres renversés au sol, parfois entraînant avec eux des lignes électriques. Des pluies torrentielles, conséquence du changement climatique, souligne le comédien. Malgré ses dégâts, Gérard Vivès ne se laisse pas abattre et a immédiatement entrepris d'importants travaux. Ses abonnés ont ainsi pu le voir, musclé et déterminé, en train de tronçonner un arbre tombé pour le dégager. Dans les hashtags accompagnant sa publication, Gérard Vivès n'hésite pas à mentionner les pluies torrentielles et même le déluge, établissant un lien avec le changement climatique en cours. Il mentionne également son chien, Idéfix, qui a forcément été effrayé par la violence des orages. Les abonnés de Gérard Vivès sur Instagram lui apportent leur soutien face à cette épreuve, le comédien peut heureusement compter sur le soutien moral de ses fans. L'un d'eux lui écrit, « Courage Gérard. Si est-il impressionnant, après tous ces efforts, tu dois dormir comme un plomb. Je t'admire pour ce que tu fais en redonnant vie à ce château. » Un autre encourage, dur dur, si est-il choquant. Courage. Un autre abonné alerte, nous n'avons pas eu une goutte d'eau depuis un mois, à quoi Gérard Vivès répond avec regret, plus rien ne va. Malgré les dégâts considérables causés par les intempéries, Gérard Vivès reste résolu à restaurer son château et à faire face à cette situation difficile. But you wish that I was things I would do too.